أكتب شعري الباكي بدمع القلب إلى الحبر أسطره على كبدي وأترك دفتر الشعر. Déjà, vous ne savez pas où vous allez. Comment ça va, et dites Alhamdulillah, vive la France. Vous avez un leader piégeur. Allah nous a créé beaucoup d'animaux. On a pleuré comme c'est une très grande femme. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته mes frères mes sœurs السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Heureux de vous retrouver en cette matinée de ce jour de dimanche 14 février, il est 10h36 précisément, afin de partager avec vous cette nouvelle et présente vidéo dans laquelle nous allons une fois de plus et malheureusement nous intéresser à l'association Baraka City. Bonjour à toutes les personnes n'étant pas de confession musulmane qui écoutent cette présente vidéo. Alors, très chers frères, très chères sœurs, nous allons donc nous intéresser, une fois de plus malheureusement, à l'association Baraka City, puisque pour ceux et celles qui ont suivi nos différents travaux, notamment concernant Baraka City, nous avions réalisé, il y a environ une dizaine de jours, une vidéo dans laquelle nous interpellions le président de Baraka City afin de lui poser un certain nombre de questions. En l'occurrence, trois questions. Avant cela, j'avais réalisé une vidéo via mon iPhone dans laquelle je posais là aussi ces trois différentes questions. Donc il y a eu deux vidéos, il y a eu la première qui a été faite il y a environ une vingtaine de jours, et ensuite j'ai considéré qu'il était préférable, pour des raisons purement de pure forme, de réaliser une vidéo à part entière afin de poser trois questions. Alors, nous avions donc posé trois questions à l'association humanitaire islamique Baraka City, et plus précisément, nous avions interpellé son président, Idriss Yamidi, c'est un maribon, puisque ces questions lui étaient particulièrement destinées. Nous avions attendu un certain nombre de temps, en l'occurrence une vingtaine de jours et une semaine, afin d'attendre une réaction de la part de Baraka City. Lorsque je dis réaction, je ne dis pas forcément réponse, je dis réaction. Réaction, c'est-à-dire le mieux étant évidemment de répondre, mais sinon d'avoir une réaction en nous disant par exemple « on vous répondra ultérieurement ». On n'a pas le temps, merci pour vos questions, mais ceci, mais cela. Je vous propose d'avoir une réaction quelconque. Alors, à ce jour, nous n'avons eu absolument aucune réaction. Aucune. Bien plus grave. Et le mot grave a toute sa place dans cette situation, puisque on fait savoir que les comptes d'un certain nombre de frères et de sœurs qui ont posté cette vidéo sur la page Facebook de Baraka City ont été bloqués. Donc on les a bloqués. On a supprimé la dite vidéo. Et donc, voilà la réaction, la seule réaction que nous avons eue de la part de nos frères de Baraka City. Bloquer les comptes, bloquer les personnes, les frères et sœurs qui ont posté cette vidéo,
et supprimer la dite vidéo. Alors, j'avoue qu'à ce stade, cela m'exaspère et m'offusque, puisque ce sont des méthodes qui n'ont non seulement rien à voir avec la religion, mais qui ont aussi rien à voir avec le comportement d'un individu d'une quelconque religion, pourvu qu'il soit en harmonie avec le bon comportement, la bienséance, etc. Puisqu'en effet, le fait de bloquer une tierce personne et de supprimer un message, qu'il soit une vidéo ou un texte, dès lors que cette dite vidéo ou ce dit message ne comporte ni calomnie, ni insulte, ni menace, en tout cas quelque chose qui puisse justifier de façon morale le blocage et la suppression du message, je trouve cela particulièrement inadmissible. Surtout lorsque ça concerne des musulmans, qui sont censés être plus respectables d'une dite morale, plus soucieux d'être en conformité avec la morale qui nous est imposée par le prophète, par Allah et par le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Alors là, oui, effectivement, ça cause un véritable problème. Ça cause un véritable problème. Le fait de se comporter de cette manière, alors que rien ne justifie ce comportement, ça cause véritablement un problème. Ça cause véritablement un problème. Donc voilà, non pas la réponse, mais la seule réaction qu'on a eue. Donc suppression de la dite vidéo et blocage, expulsion des frères et sœurs qui ont eu le malheur de venir poster la vidéo sur leur page. Alors oui, évidemment que ça m'interpelle, ça m'offusque, ça m'exaspère et ça me choque. Parce que non seulement, comme je viens de dire, ce comportement n'a rien à voir avec les valeurs universelles, mais plus encore les valeurs de l'islam, surtout lorsque on se pose comme qu'on tend la main. Lorsque on tend la main et qu'on appelle les uns et les autres en leur disant qu'il faille nous aider à aider, au nom des valeurs et des principes mentionnés dans le Coran et de la Sunna, au nom du respect du livre de Dieu et de la Sunna de son prophète Mohammed alayhi salat wa salam, mais qu'à côté de ça, on se permet de violer, de piétiner ce même Coran et cette même Sunna, ça me cause un gros problème. Oui, ça m'interpelle. C'est pas anodin. C'est pas anodin. Je considère que c'est pas anodin. Alors, est-ce que la question est-ce que l'association Baraka City et plus précisément son président ont décidé de jouer la carte de l'indifférence, du boycott et du mépris? Puisque comme vous le savez que trop bien, nos chers prédicateurs du système ont, pour ainsi dire, tous joué la carte du boycott et du mépris. Sauf quelques-uns qui ne se contrôlent plus, qui ont perdu leurs moyens, leur self-control, se sont lâchés de manière, je dirais pas de voyous, parce qu'il y a quand même des voyous qui ont un certain code de principe, mais de manière
comment on pourrait qualifier ça, de manière de salopard. D'hypocrites, de traîtres, de lâches, ceux par l'insulte et la calomnie, comme nous le savons. Le seul moyen qu'ils ont trouvé pour répondre à nos différentes interrogations, ma foi, légitimes, étant l'insulte et la calomnie. Viser la personne, l'insulter et la calomnier. Voilà leur seule réponse qu'ils nous ont apportée. Alors, est-ce que Baraka City a décidé de prendre le même chemin, le chemin tracé par ces gens qui a démarré il y a 20 ans par l'UIF, Union des Organisations Islamiques de France, puis par les mosquées de France, ce qu'ils appellent mosquées, après les gens du livre, après les gens de la caverne, nous avons les gens de la Marseillaise. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sans grand élevé, l'étendard sans grand élevé. Je pense qu'aujourd'hui, en 2016, il n'y a plus moyen de douter sur l'unifeur de ces gens. On a vu ce qu'on a vu, on a entendu ce qu'on a entendu. Chose que j'avais dénoncée il y a 20 ans, aujourd'hui les choses sont parfaitement claires, sauf que entre aujourd'hui et il y a 20 ans, c'est qu'il y a eu 20 ans qui se sont écoulés, durant lesquels les gens, je serais tenté de dire, ont été abusés. Mais non, ils n'ont pas été abusés. Car il appartient à chacun de nous de savoir où il met les pieds, de vérifier les informations. C'est un peu trop facile. Je ferai mien de cette formule, nul n'est censé ignorer la loi. Donc c'est un peu trop facile de mettre constamment la responsabilité sur les prédicateurs du système, etc. Ils ont leur part de responsabilité, bien évidemment, mais je veux dire que les gens ont des livres, le Coran est partout, hein, il est même donné gratuitement, parfois gracieusement, les livres sont disponibles, il y a Internet. Lorsqu'on veut comprendre l'islam, hein, vous avez des tafasir, de savants, de nos références, vous avez le Coran, vous avez des hadiths, vous avez tout ce qu'il faut. Et lorsqu'on ne comprend pas, on pose des questions et on confronte les avis des uns et des autres. Donc non, le mot victime, abusé, est un peu excessif. Donc sauf qu'il s'est passé 20 ans, durant lesquels ils ont été, pas abusés, mais ils ont été... voilà. Pendant 20 ans, ils ont alimenté le haram, le batel, le monde kor, le shirk. Ils n'ont pas ordonné le bien, ils n'ont pas interdit le blâmable. Ils ont combattu de façon ouverte ou directement les gens de bien. Il s'est passé 20 ans. Et 20 ans, c'est quand même... 20 ou 30 ans, c'est quand même dur à récupérer dans une vie. Jusqu'à preuve du contraire, l'homme ne vit pas 950 ans, comme Noé alayhi salam, et que par conséquent, 20 ans ou 30 ans, c'est très dur à récupérer dans une vie. Ça risque de peser très lourd le jour des comptes dans la balance. Mais c'est une autre question. Donc la question, par contre, qui se pose, c'est est-ce que Baraka City a décidé de jouer la carte de l'indifférence et du mépris comme ces gens qui n'ont aucune réponse à donner, et qu'une réponse lorsqu'ils sont contraints. S'ils sont interpellés par les autorités françaises, ils vont répondre. Si on leur demande des comptes, ils vont s'exécuter immédiatement. Mais lorsque un musulman lambda, de surcroît n'ayant pas de pouvoir, leur pose au nom du Coran, au nom de la Sunna, et leur demande des comptes de façon tout à fait légitime, en conformité avec le Coran et la Sunna, puisque nous sommes là pour ordonner le bien, interdire le blâmable, ça fait partie de notre croyance, ben ils ne s'exécutent pas, parce qu'ils considèrent, ils estiment que dans la mesure où cet individu n'a pas de pouvoir, qu'il n'est pas médiatisé, ben on ne va pas lui répondre, on va faire comme si de rien n'était. A contrario, si les choses bougent, et j'espère qu'elles bougeront,
avec ou sans l'aide des musulmans de France, et j'en suis intimement convaincu. Bien évidemment, l'avenir de l'islam ne repose ni sur Baraka City, ni sur Matmati, ni sur Dali Boubaker, ni sur Tariq Ramadan, ni sur Daesh. Bien, repose, c'est la volonté d'Allah. Ben, ils changeront probablement leur philosophie, on va dire ça comme ça. Sauf qu'entre-temps, ben, nous les observons, nous les écoutons, nous les analysons, et que des notes sont prises. Et que des notes sont prises. Ce qui est normal. Alors, les trois questions que nous avions posées étant, je ne citerai pas forcément dans l'ordre, parce qu'il n'y a pas d'ordre de priorité, la question du frère Moussa, actuellement détenu au Bangladesh. Je leur avais expliqué que si ça ne les mettait pas mal à l'aise, de voir cet engouement pour le moins c'est un peu difficile parfois de trouver les mots appropriés pour éviter de contrarier personne et non plus pour être pour trouver les termes exacts. En tout cas, on leur avait posé la question que de savoir si l'engouement autour de la question de Moussa ne les gênait pas quelque peu, qu'ils s'y trouvaient normal que de s'agiter autant, de se bouger autant pour un frère détenu. Vous nous parlez ce matin d'un Français prisonnier au Bangladesh, un militant humanitaire pour lequel beaucoup de gens se mobilisent sur les réseaux sociaux. Oui, il s'appelle Moussa ce jeune homme, on va peut-être le voir hein, sur la dernière vidéo qu'il a postée au moment où il était arrivé dans sa mission qui l'emmenait au Bangladesh, au cours de laquelle il a été arrêté. Regardez-le, Moussa, est-ce qu'on le voit ? Voilà, c'était lui. Je voudrais aussi en placer une pour Moussa qui est emprisonné, c'est un humaniste français. Un humanitaire et humaniste, on va dire. Donc voilà, il y a Free Moussa, il y a un concert qui va se faire bientôt. Merci aux gens qui soutiennent. Ce sera à Montreuil. Parce que sur le principe, je valide. Mais qui, à côté de ça, ils n'ont jamais rien fait, ni eux, ni ceux qui s'agitent pour des gens qui sont détenus depuis bien trop longtemps, hommes, femmes, enfants compris, et qui sont traités, probablement et malheureusement, dans des conditions beaucoup plus pénibles. Un détenu a été emmené violemment au cachot, là a été entièrement déshabillé, obligé de s'accroupir, il a reçu des coups sur le dos, sur les testicules, qui font que d'ailleurs il a uriné du sang pendant plusieurs heures, et les agents présents là l'ont obligé de répéter après eux « le prophète Mohammed est un PD », sans quoi il le frappait. Bonsoir, nous sommes devant le centre 127 bis à Steenkerzeel. Les cris que vous entendez derrière moi sont les cris de détenus qui sont mécontents, tout simplement parce qu'on les oublie et qu'on a refusé de leur donner à manger. Alors pour la plupart de ces personnes-là sont en période de jeûne, donc comme c'est le mois de Ramadan, ils sont en train de jeûner et la prison a comme politique de servir 3 repas par jour et après 19h, elle s'arrête. Ces personnes-là mangent à partir de 22h. Donc ils se retrouvent sans nourriture, complètement oubliés du reste du monde. Bien que je ne connaisse pas les conditions dans lesquelles le frère Moussa est détenu. Néanmoins, un certain nombre de choses me laissent à penser que c'est pas le pire. Donc j'avais posé la question suivante. Au regard du Coran et de la Sunna, comment peut-on se comporter de cette façon? Comment peut-on, au regard de la Sunna et du Coran et de la Sunna, se comporter de cette façon, de valider, de se comporter, d'alimenter, d'inciter? Pas de réponse. Chut. Il a estimé qu'il n'y avait pas lieu de répondre à cette interrogation. Ainsi, il valide donc le fait que des gens s'excitent, puisqu'il s'agit d'excitation autour de cette question, pour finalement aller frapper à la porte de ceux
qu'on valide, qu'on ne dénonce pas, que l'on, à laquelle on s'est soumis, à savoir les autorités, de leur demander d'exiger en amont la libération de Moussa et en aval de pleurnicher pour qu'il se bouge. Monsieur, vous comptez faire quoi pour le ressortissant français qui est au Bangladesh incarcéré, Moussa? Oui, c'est pour ça qu'on va pas faire de. C'est pour ça? Ok, parce que c'est quand même un patriote français, non? Il travaille quand même des ONG qui est à Yuri. Bien sûr. Et vous comptez faire quoi? Merci, allez, bonne soirée. Au revoir. Ah là 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 là, bonne journée, au revoir. Pour que le Quai d'Orsay se bouge, etc. Je trouve cette situation inadmissible, écœurante, abjecte, immorale, et qui malheureusement souligne une fois encore la décadence et la crétinerie de cette communauté, si communauté il y a, puisqu'il n'existe pas de communauté musulmane en France. Pas de réponse. Pas de réponse. Il estime qu'il a autre chose à faire que de réponse, que de nous répondre. Je l'avais interpellé sur la question de la zakat étant un impôt étatique. J'avais expliqué qu'il a été, jusqu'à preuve du contraire, aucune autorité, et que par conséquent, il ne pouvait pas, il n'avait pas le droit de prélever la zakat. J'avais, dans un souci de transparence, fait état du texte qu'ils avaient posté sur leur page, en demandant les avis de certains savants, etc. Je leur avais expliqué que ça ne répondait pas à la question, et qu'on aimerait avoir, en définitive, leur réponse sur la question du fait de prélever la zakat, dans un premier temps, qui était illégitime, dans un deuxième temps, et de ne pas alerter les gens, ceux, en leur faisant croire qu'ils versaient la zakat, mais qui en réalité ne versaient absolument rien du tout. Donc c'était la moindre des honnêtetés, de dire aux gens, écoutez, on vous demande la zakat, mais vous ne donnez pas la zakat, puisque la zakat, donc il n'y a aucune note, aucune information en ce sens, pas de réponse. Et enfin, pour terminer, je lui avais fait la da'wa, en lui expliquant que lui, comme moi, comme tout être musulman marchant sur cette terre, qu'il n'était pas exclu, qu'il n'avait pas de traitement privilégié, un statut particulier qui lui permettait de faire abstraction de son devoir de base. Et que d'autres personnes attendaient aussi après lui pour contribuer au retour de l'autorité musulmane et un certain nombre de devoirs de base que je ne vais pas relater ici. Qu'en fait-il? Lui, qu'en fait-il? Comment il se situe par rapport à cela? Pas de réponse. Donc sur ces trois questions, on n'a eu absolument aucune réponse. Non seulement on n'a eu aucune réponse, mais les personnes ont été bloquées, la vidéo supprimée, et il y a deux ou trois jours, me semble-t-il, un frère ou une sœur, en tout cas une personne, m'a envoyé un texte dans lequel Baraka City disait que si, pour toute question, il fallait lui envoyer un mail. Il fallait lui envoyer un mail. Alors moi, je considère qu'il n'y a aucun mail à envoyer, que mes questions sont d'ordre public, puisqu'elles concernent tous les musulmans et les musulmanes, et que par conséquent, sa réponse, mes questions doivent demeurer publiques, et ses réponses doivent être publiques. Il n'y a pas de mail à envoyer. C'est pas personnel, c'est pas en catimini, c'est pas entre nous, c'est comme les débats que j'ai, certains sont offusqués que j'ai enregistré les débats. Comme si j'étais là pour faire des débats en catimini. Alors là, c'est... on marche sur la tête. Donc, pas aucune réponse. Alors, en conséquence de quoi? Effectivement que ça met mal à l'aise. Effectivement que ça met mal à l'aise. Le cas de Moussa me met mal à l'aise. Le cas de la zakat me met mal à l'aise. Le cas de son devoir dont il fait abstraction, dont il ne se soucie pas, me met évidemment mal à l'aise. C'est contraire au Coran, la Sunna. Le fait de ne pas répondre me met profondément mal à l'aise. Le fait de bloquer des frères et des sœurs qui, pour le seul tort étant de poser des questions, ça nous rappelle le comportement d'un certain nombre d'individus
qui n'ont, enfin, on va s'arrêter là parce que c'est tellement déshonorant que je préfère ne même pas m'en souvenir. Le fait de bloquer des frères et des sœurs qui ont eu le seul tort d'avoir posté une vidéo et de poser une question légitime me met profondément mal à l'aise. Le fait de supprimer une vidéo me met mal à l'aise, évidemment. Alors, ça met davantage mal à l'aise lorsque je les vois pleurer pour de l'argent. Lorsque je vois des musulmans pleurer pour de l'argent, oui, ça me met profondément mal à l'aise. Alors, bien sûr, on va me dire qu'il ne s'agit pas de pleurer pour de l'argent, mais qu'il s'agit de pleurer pour une réussite, la réussite d'un projet. Une mosquée, c'est pas gratuit, ça coûte cher. Il y a des charges. Et vous savez qu'en France, il n'y a pas de subvention de l'État. À mon sens, ça ne change strictement rien. Parce qu'à preuve du contraire, on n'a jamais vu ces gens pleurer pour des causes beaucoup plus profondes, beaucoup plus islamiques, beaucoup plus consistantes. Jamais. Pleurer pour de l'argent me met profondément mal à l'aise, oui. Parce que c'est pas juste, c'est pas normal qu'il y ait 50 personnes qui paient leur cotisation pour le chauffage, pour la lumière, pour les impôts, pour tout ce que vous voulez, et 50 qui profitent de la générosité des autres. C'est pas juste. C'est pas islamique. C'est pas bon. Donc Allah ybarak fikoum, le frère m'a montré la liste des cotisants, il y a trop de vide. C'est pas normal. Me met profondément mal à l'aise. Je crois jamais avoir entendu que ni le prophète, ni des compagnons, ni des gens de droiture ont pleuré pour de l'argent. Ça met profondément mal à l'aise. Surtout lorsqu'on sait qu'on est censé ne pas toucher un centime de cet argent, bien au contraire qu'on sait qu'on va s'en servir, que ça va nous donner du travail en plus. Plus il y a d'argent, plus on va travailler. Et quoi, à côté de ça, on pleure, on se met dans un état comme si on avait touché le loto, la super cagnotte. Ça met mal à l'aise, oui. Il y a quelque chose qui met mal à l'aise. Alors, voir des apostats, et le mot est peut-être même faible. Une espèce d'apostat agressif à l'encontre de l'islam et des musulmans, comme Tariq Ramadan, dont on ne cesse de dénoncer les dégâts qu'il a commis dans l'islam, et qui lui aussi a adopté le comportement du mépris de la fuite. Voir des gens comme ça, comme Tariq Ramadan, comme Bajrafil, comme Rachid Abu Odeifa, qui prie sur les Tawarites, voir des supports médiatiques prétendument communautaires comme Ouma ou comme le Radio Maghreb qui consacre une minute à la question Moussa, c'est pas que ça met mal à l'aise, c'est que j'ai un malaise. Là, j'ai véritablement un malaise. Il y a un problème. Il y a forcément un problème. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il n'est pas possible que des gens à ce point apostats qui passent leur temps à mentir sur le Coran, sur le prophète, et qui véhiculent une croyance qui envoie directement les gens en enfer, je pense qu'on l'a prouvé, et si certains ont encore des doutes, il n'y a pas de souci, hein. On connaît la méthode de la maison, c'est le débat. Des gens qui, comme eux, fuient le débat, se cachent, qui se comportent comme les pires crapules, c'est-à-dire, on se sauve, on se cache, on fait comme si on n'avait pas entendu, profitant de que la personne n'est pas médiatisée, que la personne n'a pas de pouvoir, donc on joue sur des éléments, on profite par le fait des éléments qui n'ont rien à voir avec la question, et qui sont des éléments matériels, voyez-vous. C'est là où ça blesse, c'est-à-dire que dans les textes, dans la réalité, ces gens sont pulvérisés.
Et s'ils existent encore aujourd'hui, ils doivent leur existence par le fait que les autorités, les koufars, les aident par la médiatisation, par le fait que des hypocrites les alimentent, par le fait du jumonfoutisme d'un certain nombre de gens, et par le fait que la personne qui s'offusque, la personne qui interpelle, la personne qui dénonce, en l'occurrence moi-même, ben, ne bénéficie pas des mêmes armes finalement. Et qu'on profite de cette situation de faiblesse, comme des nations ont profité de la faiblesse des autres. On profite de cette situation de faiblesse pour continuer à se faire passer pour ceci ou pour cela. Alors que sur le papier, les gens sont pulvérisés. Alors, profitez de cette situation de faiblesse. Tant qu'à dur, profitez de cette situation de faiblesse. Il y aura d'autres gens qui vous demanderont probablement des comptes avec beaucoup moins de diplomatie. Il viendra un temps où vous serez interpellé par des gens qui ne vous apporteront aucune considération et qui vivra verra. Alors, tout ça, oui, ça me cause un gros problème. Et pour terminer, là encore, lorsqu'il s'agit, on ne leur a rien demandé. Mais il s'est senti investi de ce devoir de faire une vidéo et de refaire le match. Puisque on a vu le président Idriss hier midi sur le plateau de Canal+, dans l'émission Le Complément, enfin bref, peu importe. Et donc, il y a eu un petit souci. Puisque on lui a posé des questions, il n'a pas su répondre. C'est-à-dire que vous ne condamnez pas l'État islamique, clairement, publiquement? Non. C'est pas qu'on condamne pas l'État islamique. C'est qu'on essaie d'avoir une certaine pédagogie pour essayer de discuter avec les jeunes et pour leur faire comprendre qu'on a une alternative qui est bien, qui est pacifique et qu'on peut trouver au Togo ou en France. Est-ce qu'aujourd'hui vous condamnez l'État islamique clairement ou pas? Est-ce que vous condamnez les agissements de l'État islamique? Si je me permets, je vous pose une question. Mm-hmm. Elle est simple, la question. S'il y aurait, par exemple, le grand rabbin de Paris qui serait présent, est-ce que vous lui auriez demandé s'il aurait condamné les bombardements qu'il a fait? Il l'a fait rapidement. Je vous demande, vous, la question en tant que responsable de Baraka City. Est-ce que vous condamnez l'État islamique? Moi, en fait, je vous répondrai clairement que je pense que ce n'est pas équitable, ce n'est pas juste de poser la question à un musulman comme moi parce que je suis musulman. Et donc, je ne pose pas la question parce que vous êtes musulman. Parce que vous êtes le responsable d'une ONG présente en Syrie. Donc, vous êtes présent en Syrie. Est-ce que vous condamnez l'État islamique D'une manière plus générale et très humaine, l'organisation humanitaire Baraka City, qui est une organisation humanitaire et de défense des droits de l'homme, condamne toutes les exactions qui soient commises par des groupes armés, par des gouvernements, par des juntes, etc. On l'a fait en Égypte, on l'a fait en plaidant pour cet humanitaire Alan Ealing. Donc vous condamnez alors l'État islamique? S'il tue des gens, s'il brûle des gens dans des cages, etc., je ne vais pas vous dire oui. S'il tire sur des femmes enceintes, je ne vais pas vous dire, non, je ne condamne pas. Donc je pense que oui, mais si, je suis gêné de la question. Je suis gêné de la question parce que je pense, je le répète, ce n'est pas équitable. On n'a pas demandé au président... On est un peu gêné de la réponse, pour tout vous dire. On ne peut pas dire qu'il a apporté sa contribution au frère Moussa. Et c'est le moins qu'on puisse dire. Il s'est passé ce qui s'est passé. On ne va pas refaire l'émission. Elle est disponible sur Internet, elle est disponible sur YouTube. On ne va pas refaire l'émission. Étrangement, le temps passant, quelques jours, il s'est senti dans l'obligation de faire une vidéo qui est elle-même disponible encore sur Internet, dans laquelle il vient refaire le match. Chers donateurs, chères donatrices, chers partisans, chers internautes, bonjour. À la suite de mon intervention que j'ai pu faire sur l'émission Le Supplément, proposée par Canal+ et Ali Badou, il me semble maintenant aujourd'hui important, puisqu'il est sujet d'une polémique grandissante sur Internet, d'intervenir, d'expliquer. Il n'y a personne qui lui aurait demandé. Il est sur le plateau, on lui pose des questions,
Il répond, il répond pas, il répond à côté, il répond pas à côté. Il se passe ce qui se passe, n'étant ni contraint, ni dans une quelconque machination où il a les mains liées, qu'il se sent d'un seul coup délivré, profitant de cette délivrance pour venir nous expliquer qu'il avait été séquestré sur le plateau, sur le supplément, il a été séquestré et que par conséquent il n'a pas pu répondre comme il fallait, etc. C'est pas le cas, qu'on me rassure. Mais il s'est senti quand même obligé de refaire le match. Et donc il nous fait une vidéo dans laquelle, et qui dure 26 minutes et 07 secondes, je vous avoue que j'ai écouté jusqu'à 8 minutes 41 pour être précis, dans laquelle il nous explique un certain nombre de choses. J'ai trouvé ça grotesque. Et le mot est faible. Il nous explique dans cette vidéo, il y a quelque chose qui est récurrent chez eux, c'est qu'ils sont toujours extrêmement forts quand ils parlent avec le mur. C'est récurrent. Quand ils parlent avec le mur, ils sont toujours très très forts. Forts dans le débat, face à face, tout seul. Ils sont forts. Pour refaire ils sont forts. Dans le débat seul, ils sont forts. Quand vous voyez ces gens qui constamment, à quoi bon refaire le match ? Les règles ont été posées, vous avez les mêmes armes, il n'y a pas eu de coupage qui ont porté préjudice, pourquoi refaire le match ? C'est comme Tariq Ramadan, lorsqu'il a été humilié par Sarkozy. Et sur la question de la lapidation, de façon extrêmement précise, je me suis exprimé en disant que dans ma position, elle n'était pas applicable et que je demandais, parce que je sais que ma position est minoritaire aujourd'hui dans le monde musulman, un moratoire pour qu'il y ait un vrai débat intra-musulman entre les musulmans. Monsieur Ramadan, non, attendez, est-ce que vous rendez compte, attendez. Un moratoire, attendez, mais c'est-à-dire qu'on doit pendant quelques temps renoncer à lapider les femmes? Non, attendez. Il s'est senti obligé de dire et de redire, de réécrire dans ses différents livres que finalement il a été piégé, qu'il était qu'il n'avait pas le même temps de parole, qu'on avait mal compris ses propos, qu'il était en différé par rapport à Sarkozy, enfin bref, un certain nombre de choses complètement débiles, pour expliquer que qu'en fin de compte Sarkozy avait tort et que lui il avait raison. C'est fort étrange. Fort étrange. Mais qu'à côté de ça, on s'efforce de refaire le match et de parler au mur, hein, sans avoir de contradicteur, et qu'on se dit quelque part qu'on a été piégé. Mais qu'à côté de ça, lorsque quelqu'un les interpelle pour leur proposer le débat, et là, ils ne répondent pas. Vous voyez, on a deux positions. La position du type qui est invité à faire un débat et qui a toutes les armes au même niveau que son adversaire, non content du déroulement du débat, il vient nous faire des vidéos, ensuite, des écrits, nous expliquant que voilà, ça ne s'est pas bien passé, parce que ceci, parce que cela, etc. Parce qu'ils ne sont pas contents du résultat, ils ne sont pas contents de ne pas avoir gagné le débat, ils ne sont pas contents du rendu. Donc ils font leur truc en catimini, ils reviennent sur le match. A contrario, lorsque on vient leur demander, on leur pose des questions, qu'on leur demande justement de venir s'expliquer, et qu'ils auront tout le loisir de venir s'expliquer, ils refusent. Donc où est la gravité, où est l'arnaque ? Où est la malhonnêteté? C'est le fait de considérer qu'on n'a pas répondu comme il fallait pour X ou Y raison, que les choses ne sont pas passées et qu'on va refaire le débat tout seul dans son coin? Ou est le fait de fuir complètement un débat? Ces gens qui s'offusquent de ne pas avoir pu répondre pour X ou Y raison et que forcément le débat, dans ces cas-là, d'autres vous posent des questions, vous demandent des débats, pourquoi vous refusez? Mais la gravité, elle est là. La malhonnêteté, elle est là. Elle est beaucoup plus caractérisée ici que le fait de ne pas avoir eu le temps nécessaire ou, on a mal compris vos propos, voilà. Mais à côté de ça, vous fuyez le débat. Donc, elle est où, l'arnaque?
On voit bien qu'il y a des choses qui sont si elles ne le sont pas de l'autre côté, que vous, on peut considérer, si vous pour vous faire plaisir, que vous n'avez pas bénéficié du même temps de parole. Allez, on va dire ça comme ça. On va faire court. Mais qu'à côté de ça, vous fuyez un débat. On a les éléments qui caractérisent très clairement le fait de votre malhonnêteté. Puisque vous parlez d'honnêteté et vous revenez sur le match, et à côté de ça, vous fuyez les débats. Si vous étiez si épris de justice, et si sincère, et si équitable, revenir sur les débats, c'est bien. Accepter le débat avec des musulmans, c'est mieux. Ça ne va pas, tout ça. Ça ne va pas, tout ça. C'est pas clair. C'est pas clair. Alors, pour revenir à cette question, le débat avec le mur, dont le contenu est dépourvu de toute objectivité. Je dirais pas de sincérité, parce que on pourra me poser la question, mais comment tu sais que c'est sincère ou pas ? Dépourvu de toute objectivité. On nous explique dans cette vidéo que Valentine Auberti, la journaliste de Canal+, on nous met un extrait où il fait une proposition et qu'il attend sa réponse. Ce qui serait peut-être bien, ça serait qu'on fasse peut-être une prise de vue avec Salah qui lui a voyagé personnellement avec Moussa. Donc là, vous pourrez avoir en même temps plus de contenu sur Moussa, il était qui, comment, voyage et tout, etc. Et en même temps, bon, ben, les Rohingyas, et après, moi, je peux peut-être éventuellement intervenir sur la tweetstorm, le pourquoi du comment, ouais. Et pourquoi on a eu cette communication que... Je sais pas trop. Je comprends pas. Il attend sa réponse comme si ça cachait quelque chose parce qu'elle n'a pas répondu ou elle a répondu d'un mouet. On comprend pas. Pourquoi cet extrait ? Pour aller où ? On comprend pas. On nous explique qu'il a été harcelé de questions sur le plateau du supplément par le fait qu'on leur a dit qu'ils ont été perquisitionnés, qu'ils étaient proches d'un mouvement radical, qu'il a été fiché S, qui sont les donateurs. Vous vous présentez comme musulman orthodoxe et vous ne serez pas la main aux femmes. Donc il a fait un concentré de ces questions et ensuite il nous met une petite phrase en disant « Attention, jackpot ». Autour de lui. Voilà. Il y a ensuite l'association Baraka City, et pour le coup c'est vrai qu'on a vu que votre association, vous le disiez à Valentine, a été perquisitionnée dans le cadre de l'état d'urgence, qu'on vous a régulièrement soupçonné d'être proche de la mouvance islamiste radicale. Vous-même, vous êtes fiché S. Qui sont vos généreux donateurs pour le coup ? Vous vous présentez comme musulman orthodoxe. Vous serrez la main aux femmes par exemple ? Vous ne condamnez pas l'état islamique ? Est-ce qu'aujourd'hui, vous condamnez l'État islamique clairement ou pas ? Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que vous condamnez les agissements de l'État islamique ? Le chroniqueur, un chroniqueur Asdin, me reprend et me dit « Mais monsieur Siamedi, la question est simple. Oui ou non, condamnez-vous l'État islamique ?» Un petit peu gêné, comme si j'étais face à un magistrat, je dois répondre par l'affirmatif et je dois dire « Oui, je condamne », alors qu'il y a des enjeux beaucoup plus délicats et que... Et jackpot, c'est « Vous ne condamnez pas l'État islamique ». Vous voyez, ces méthodes, moi, je les dénonce. Parce qu'il faut les dénoncer. Vous êtes invité sur un plateau de télévision. Vous avez tout le loisir de vous expliquer. Vous avez le privilège de faire de la pub pour votre ONG. Notamment pour sensibiliser les gens à aider Moussa. Vous avez fait tout le contraire. Vous avez tiré une balle dans le pied de Moussa, pour ne pas dire une balle dans l'estomac de Moussa. Par votre comportement, parce que vous n'avez pas su répondre. Et ensuite, vous venez nous faire une vidéo, tout seul, avec le mur, sans contradicteur, pour refaire le match, en nous expliquant que vous avez été manipulé, que tout ça c'est que de la manipulation, et qu'on vous a posé un certain nombre de questions qu'on n'aurait pas dû vous poser, sous-entendant que vous avez été harcelé de questions déplacées, nous mettant bien en gros, attention jackpot, par la question YouTube, soutenez-vous Daesh. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ces questions vous ont été posées tout à fait normalement, comme on a pu le voir dans des milliers de débats, il n'y a rien de particulier.
Il n'y a rien. Et c'est pas parce que vous n'avez pas su répondre, que tu n'as pas su répondre, que tu dois te sentir obligé de refaire une vidéo pour expliquer que tu as été piégé, que c'est magouille. Tu dis qu'il y a eu des passages qui ont été coupés dans ta propre vidéo que tu as réalisée, des passages qui sont coupés. Même la ministre de l'Éducation ne s'est pas permis de s'exprimer d'une manière aussi simpliste sur une question aussi délicate et qui ne cesse bien évidemment de créer des conflits et un chaos dans le monde. Il y a, je tiens à le préciser en tout cas, des nombreux passages qui ont été coupés au montage et sur le plateau et qui ne cesse bien évidemment de créer des conflits et un chaos dans le monde. Il y a, je tiens à le préciser en tout cas, des nombreux passages qui ont été coupés au montage et sur le plateau. Quand on voit ta vidéo, on voit qu'il y a des passages qui ont été coupés. Donc, tu dis que dans l'émission de Canal+, il y a des passages qui ont été coupés. Tu ne le dis pas, mais tu sous-entends ensuite que ben, forcément, il magouille. Parce qu'on a coupé des passages. Donc, il y a forcément magouille. Donc, moi, je prends ton raisonnement, si on peut appeler ça un raisonnement. Lorsque je vois ta vidéo et qu'on voit qu'il y a des passages qui ont été coupés, je dois penser aussi qu'il y a eu des magouilles. En fin de compte, tu as dit des choses que tu ne devais pas dire et qu'après tu les as coupées. Bah oui, si on parle de la suspicion, il faut que la suspicion soit identique pour tout le monde. Si tu considères que du fait qu'il y a des passages qui ont été coupés, ça sous-entend, sans les citer ces passages-là, parce que tu donnes pas du concret, tu dis pas « il y a eu des passages qui ont été coupés, durant lesquels j'ai dit telle et telle chose », tu dis pas ça. Tu dis simplement qu'il y a eu des passages qui ont été coupés, laissant à penser qu'ils ont magouillé. Alors moi, je vais faire comme toi. Je prends ta vidéo, je vois que des passages ont été coupés, je ne cite pas des passages que tu as coupés qui étaient mauvais pour toi, et que je dis, mais forcément, tu as magouillé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ou bien tu dis aux gens qui t'écoutent, il y a eu des passages qui ont été coupés, et que tu donnes des éléments derrière, appuyant que ces passages étaient à ton honneur et à ton avantage, mais ils ont été coupés, dans ces cas-là, il n'y a pas de souci, ou bien tu te tais. Mais tu ne peux pas venir nous dire, il y a eu des passages qui ont été coupés, nous poussant à penser qu'il y a eu magouille, mais sans citer les passages. Qu'est-ce qu'ils disent les passages? Tu dis pas. Juste, ils ont été coupés. Donc dès lors qu'il y a une vidéo qui circule, ou une émission où il y a des passages qui sont coupés, on doit penser qu'il y a eu magouille. Donc ta vidéo, elle est pleine de magouille, parce qu'il y a eu plein de passages qui ont... Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, toute cette façon de vouloir se défendre par des moyens qui sont bas, parce que tu as bénéficié d'un temps de... Enfin, je veux dire, tu as été invité, on t'a laissé parler, les questions étant légitimes. Tu nous parles d'un certain Azdine, un journaliste, qui te demande si tu condamnais l'État islamique interpellé par Azdine, comme si j'étais face à un magistrat. Non, tu n'as pas été face à un magistrat. C'est faux, parce que Azdine t'a posé une question une fois, est-ce que tu condamnes Daesh? Tu n'as pas répondu, tu tournais autour du pot. Donc il t'a reposé une question une deuxième fois en te disant « je te demande de répondre simplement, est-ce que tu condamnes ou non Daesh ?» Et là tu nous dis « j'étais comme en face d'un magistrat ». Non, tu fais des raccourcis qui sont malhonnêtes, parce que c'est pas vrai. Il t'a posé une question normalement, t'aurais pu dire « j'ai pas à répondre », t'aurais pu répondre « oui », t'aurais pu répondre « non », t'aurais pu répondre ce que tu veux, tu ne l'as pas fait. Tu ne l'as pas fait pour des raisons que seul Allah et toi-même connais. Est-ce que tu condamnes pas réellement Daesh, ou est-ce que tu condamnes, mais que si le fait, tu disais que tu condamnais Daesh, ben forcément, ça allait t'enlever des donateurs, enfin bref, Allahu a'lam, je sais pas. Je sais pas, et j'ai pas envie de savoir, mais c'est pas vrai. Voilà, donc tout ça, ça sent pas bon. En tout cas, ça sent pas l'islam. Ça sent pas le respect du Coran et de la Sunna. Et en conséquence de quoi, je mets une alerte sur votre association, une alerte de principe, jusqu'à lever le doute sur votre association. Parce qu'un musulman qui se comporte avec cette mauvaise foi, tant avec nous-mêmes comme musulmans, jouant la carte du mépris, de l'indifférence, profitant de sa situation de domination sur le plan uniquement médiatique, et qui de surcroît appelle les gens au bon comportement, pour donner des sous, mais qui, lui, se permet de ne pas répondre, alors que ce sont des donateurs, peut-être moi-même ou des gens que je connais, qui vous donnent de l'argent, accompagné du reste à côté que j'ai évoqué, ça sent pas l'islam. Et croyez-moi que quelqu'un qui ne respecte pas la morale islamique, surtout vis-à-vis de son frère, quand un frère musulman, son frère lui pose des questions légitimes poliment, et qui les outrepassent comme les font ces apostats qui se sauvent comme des rats, qui ont un comportement de rat,
ça sent pas bon. Ça sent pas bon. Ça sent pas bon. Accompagné avec votre comportement sur Moussa, vous avez fait un statut au-dessus des autres musulmans. Tout ça, ça sent pas bon. Et j'émets donc, en conséquence de quoi, une alerte vis-à-vis de vous, jusqu'à la levée de ces ambiguïtés et la réponse à nos différentes questions. Moi, lorsqu'on vient me voir sur ma page et qu'on me pose des questions, je réponds à ces questions. Lorsqu'on propose un débat, que ce soit sur les tarawih ou sur un autre sujet, je réponds au débat, parce que je n'ai rien à cacher. Et je ferai mien de la parole de l'imam Ali alayhi salam lorsqu'il dit je suis issu d'un peuple qui ne craint personne dans la vérité. Lorsqu'on est dans la vérité, on est dans le haq, et on respecte le Coran et la Sunna, on ne se comporte pas de cette façon. On répond aux questions qui sont légitimes posées par des frères et par des sœurs. Parce que si tout le monde se comportait comme vous, et ça serait l'anarchie. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà. Donc, une fois encore, j'émets une alerte vous concernant. Sur ce, je compte les aînés. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. قارتك الصقر أبي قارتك الصقر أبي أهلاً قافلتي مهنية جبتك الريح قوية جبتك النار كالنار وظلية جبتك الريح.